Nous avons des projets qui ont englouti des milliards. On vous dit, pour chuter, M. Bouba, le projet d'autoroute Douala-Yaoundé, écoutez très bien, 60 km en plus de 10 ans. Combien de milliards? Le respect de cahiers de charges n'ont jamais été publié. Tous les jours, c'est des milliards qu'ils engloutissent. M. Bouba, maintenant, on se retrouve avec une autoroute au milieu de la brousse. Ça ne profite à personne. Vous avez d'emprunter un jour l'autoroute Yaoundé-Douala, il faudra apprendre votre mal en patience. À ce rythme, les 196 km du tronçon qui relie les deux principales villes du pays ne sortiront de terre que dans une vingtaine d'années. Un chantier controversé, seul un tiers de la route est terminé à ce stade, soit seulement 60 km. L'ouvrage aurait dû être livré il y a déjà 2 ans. Le chantier lancé en 2014 est piloté par la China First Highway Engineering, une puissante compagnie chinoise de BTP, représentée ici par son directeur exécutif. Des délinéateurs lumineux installés aux abords de la chaussée de 2x2 voies et sur les glissières de protection afin de faciliter la conduite de nuit. Ce sont entre autres commodités qu'offre aux automobilistes la section achevée d'autoroute Tébissou-Bouaké. Elle part du pont bâti au-dessus de la rivière Kan à la sortie de Tébissou, point de jonction avec la section d'autoroute Yamoussoukro-Tébissou inaugurée en décembre 2022 pour contourner la métropole de Bouaké et rallier la route nationale A3 menant à la ville de Katiola au niveau du village de Bamoro. Un tracé de 84 km de long, ajouté à une bretelle électrifiée de 12 km donnant accès à la capitale de la région de Gbeke, soit un linéaire de 96 km de bitume pour le projet d'autoroute Tébissou-Bouaké, un ouvrage réalisé par une entreprise chinoise après 4 années de travaux sous le suivi permanent de l'Agence de gestion des routes, AGROUTE, et du Bureau national d'études techniques et de développement, BNET. Cette phase du prolongement de l'autoroute du Nord permet de connecter les deux plus grandes villes du pays, Abidjan et Bouaké. C'est désormais 3h30, voire 4 heures de route en moyenne à vitesse réglementaire, un gain de temps considérable pour les usagers.